Bonjour Patrick et Yune, la classe. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on continue notre travail dans le document qui s'intitule Mon projet de carrière. Vous vous souvenez de ça? Oui. Yeah. Alors, la dernière fois, la dernière activité, c'était quoi qu'on avait complété? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? L'ordre de carrière. Ça faisait quoi ça? Comme des genres de profil. Le profil de... Des emplois de nos parents. Exactement. Alors, on va aujourd'hui passer des influences qu'on a envers les intérêts qu'on a. D'accord? Et puis, le but du mon projet de carrière, c'est de trouver notre personnalité au travail et les trois univers des mondes du travail. Est-ce que vous vous souvenez des trois univers du monde du travail? Les personnes et la créativité. Ça, c'en est un bon, ça. Quel genre d'emploi ça fait? Ben, ça peut être comme un prof, un travailleur social, une infirmière, un psychologue, des médecins, des artistes. Très bien, Patrick, qui aime travailler avec les personnes, mais aussi être créatif. Toi, Yune, si je te dis le concret et l'évidence, l'autre univers, qu'est-ce qu'ils aiment faire, ces gens-là? Ah, mais c'était pas comme des gens de comme c'est comme des vraies choses, là, comme ouais, comme un gars, comme un plombier, genre, des outils, right? C'est comme... Des activités, qu'on pourrait dire. Concrète? Comme ça, c'est ça, le concret et l'évidence. Puis, en plus de ça, on avait vu l'univers de l'entreprise, des organisations, comme les comptables, quelqu'un qui est policier, en avez-vous d'autres? Du monde comme des entrepreneurs. C'est ça, mais c'est ça, Est-ce qu'un pilote comme... Comme mettons un pilote, genre, c'est comme. Tu sais, comme un pilote, c'est comme Air Canada. Comme mettons un pilote militaire, c'est-tu organisation ou c'est juste un pilote? C'est un peu les deux. C'est concret et c'est aussi une plus grande organisation. Bravo, bien pensé. Alors aujourd'hui, l'activité, elle parle un peu plus des intérêts au lieu des influences de nos parents. Alors, toi, Patrick, qu'est-ce que ça serait un de tes intérêts? Ben, moi, j'aime beaucoup le cours de sciences. OK. Et puis, est-ce que tu fais de la science en dehors de l'école? Ben dans la vie, là, tu sais, j'aime beaucoup ça, mélanger des choses puis voir ce que ça fait. Là. OK, donc tu manifestes un intérêt pour le cours de sciences puis tu exprimes un intérêt pour les sciences chez toi. Il y a des cellules, c'est nice, man. Et puis toi, Ian, est-ce qu'il y a des choses, des fois, dans la vie que tu dis que t'aimes, mais que t'as pas fait depuis longtemps? Ben, tu sais, comme à Hawkesbury, genre, autre que jouer au hockey, comme, il n'y a pas grand chose à faire. Fait que, tu sais, comme pêcher, c'est cool. Mes oncles allaient au lac, mais moi, j'aimais bien aller à la rivière. Je crois qu'il y a des meilleurs poissons. Puis, maintenant que je joue à Hawks, je vois moins. Alors, tu peux dire que cet intérêt-là, il est inventorié, mais tu ne le fais pas vraiment. Ouais. OK, alors, quels sont des nouveaux intérêts que tu as développés d'abord? Ben, mon oncle, au fait, qui me coachait au hockey quand j'étais au rugby. Il s'est fait lutter par un char, dans le fond. Puis maintenant, genre, son gars, il fait faire des exercices, genre, puis c'est comme du yoga. Mais comme. C'est comme des fois, je me sens comme, ça me fait honnêtement mal à mon genou gauche. Fait genre, je change d'affaire un peu, puis le long, des fois. Ouais, des fois, il me copie parce que, comme tu sais, lui aussi, un peu mal au genou. C'est bon, Ian. Alors, tes intérêts démontrent que tu aimerais peut-être travailler avec les personnes et la créativité. L'activité suivante va te le dire. Toi, Patrick, peux-tu penser à, disons, Coach Marc, Monsieur Balthazar? Qu'est-ce qu'il aimait quand il était jeune, lui? Qu'est-ce que ça serait ses intérêts? Ben, juste la façon qu'il nous en parle, c'est comme avec tout ce qu'il faisait quand il était jeune, tu sais. Et puis, chaque expérience qu'il a, c'est toujours par rapport au volleyball. Fait que je pense qu'il jouait beaucoup de volleyball, même qu'à un moment donné, il nous racontait comme... Il s'était rendu au niveau universitaire, il jouait comme des championnats canadiens. Fait que je pense honnêtement que Monsieur Marc, il tripait sur le volleyball. Tu sais, là maintenant, c'est sa job. C'est pas une job où il peut vivre sa passion. Tu sais, tant mieux pour lui. Moi, je pense qu'il tombe dans l'affaire bleue au début, là, les personnes créatives. Excellent, encore une fois, Patrick. C'est comme si M. Balthazar exprime ses intérêts à travers son lieu de travail pour vraiment, comment on pourrait dire, s'épanouir dans son lieu de travail. Alors, je vous demande maintenant d'aller à la page dans votre cahier 18, s'il vous plaît. On va parler de c'est quoi l'activité d'aujourd'hui qui s'appelle le bon coup. Patrick, peux-tu me lire c'est quoi un bon coup d'après le paragraphe? Un bon coup, c'est une expérience que tu as vécue à l'école, à la maison, au travail ou en faisant du bénévolat. Un bon coup, c'est aussi
une expérience que tu es particulièrement fier parce que tu as permis de mettre en valeur tes points forts, tes compétences, tes aptitudes, tes intérêts ou tes valeurs. Alors, en somme, un bon coup, c'est une expérience qui met en valeur tes qualités, tes points forts, puis une expérience qui t'a rendu fier. Alors, essayez de penser dans votre tête à une de ces expériences-là, s'il vous plaît. Ici, à la prochaine page, tu vas répondre aux questions. Tu vas me dire c'est quoi le contexte, la situation et pourquoi tu as choisi ce bon coup-là. Écrivez ça sur une page lignée parce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas assez de place. Ça va bien, Ian, tu comprends? Oui, une page lignée? Oui, dans le petit carnet à la suite de l'art de carrière de la semaine dernière. Okay. Ensuite de ça, c'est assez simple. Tu vas décrire les points forts, les valeurs, les aptitudes, les compétences ou tout ça que tu as mis en valeur pour avoir fait ça. Fait que ton bon coup, disons que tu as aidé quelqu'un. Parle-moi des valeurs qui t'ont aidé quelqu'un, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers de cette expérience-là? Puis, qu'est-ce qui te rend fier? Longue histoire courte, après avoir rempli le petit paragraphe sur ton bon coup, on va faire l'étude du profil. Pourquoi tu l'as identifié? Puis, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors, je te demande de tourner la page encore une fois. Et puis maintenant, on va répondre à des questions. Vous avez tous votre portable? Oui. Alors, tu vois, ici, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire un numéro 5 quand tu réponds aux questions? Reste en accord. C'est ça. Alors, si, par exemple, mon bon coup a mis en évidence mon imagination et tu es très en accord, tu vas mettre un 5. Ian, si tu n'es pas du tout en accord, tu vas mettre un comme moins. Tu vas mettre un 1. Moins 5, 1. Tu vas mettre un 1. Ouais, OK. Alors, vous allez faire ça, puis il y a un questionnaire, comme tu peux voir, pour chacun des univers de travail qui match avec ta personnalité au travail. Ça va, so far? Ouais. Je vous montre la prochaine page maintenant. So, à date, tu as expliqué ton bon coup, tu en as fait l'analyse, maintenant le résultat. Si tu es entre 40 et 60, ça veut dire que tu as un lien fort entre l'univers de travail et ton bon coup. Puis si tu as moins de 25, on pourrait dire que c'est un lien faible. Je te demande, Patrick, peux-tu me lire les trois questions qu'il faut répondre, s'il te plaît? Qu'est-ce qui te ressemble le plus dans ce type de personnalité au travail? OK, alors tu vas me parler d'après toi dans la personnalité, qu'est-ce qui marche? Ça ne va pas être parfait pour tout le monde. Toi, ensuite, Ian, la deuxième question à quoi on répond? Qu'est-ce qui te ressemble le moins? Ça, c'est le contraire de l'autre. Puis ensuite, tu vas vouloir... Est-ce que tu fais un lien avec une formation ou... je pense à... Vas-y ici, là, t'as échappé ton cahier. OK. Est-ce que tu fais un lien avec une formation ou un programme d'études qui pourrait t'intéresser? Alors, pense à des études qui se lient à ta personnalité au travail, qui est dans l'univers. Et puis ensuite, voilà, on a presque terminé. C'est maintenant le sommaire du bon coup. C'est la fin. Alors, ça peut te donner des points de repère. Ce n'est pas la réponse finale. Puis la semaine prochaine, on va parler de où ça va nous mener. Merci les boys, vous avez bien fait ça. Bye, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.